Aujourd'hui, mercredi 6 juillet, après dimanche à la Japan Expo, je récupère mes cartouches et j'ai utilisé la méthode Matsuda une nouvelle fois pour faire éclore un œuf. Alors, on va récupérer les parents tant qu'on y est. Voilà, mère coupe-note française, le père trioxine japonais. Pas évident de filmer avec une main. Perdu encore. Alors, le œuf récupéré hier soir vers 11h et que je fais éclore ce soir vers 9h30. Alors, alors, la différence entre le chimé et le normal. La mère qui a passé une journée de promotion. Et
et une fille qui vient d'éclore. Trois IV à 31, alors que la mère en a 5 et le père aussi. Essayer d'avoir de faire des rencontres sans le faire mettre KO. Une petite sauvegarde. Deuxième rencontre, même si ça sert pas à grand chose parce qu'avec les jeux ça prouve rien du tout, à moins de tout filmer, ce qui n'est pas le cas. Alors, donc il s'agit d'un chimier rencontré au bout de 1955 par technique Matsuda. Avec la capacité brise au moule, ce qui est plutôt pas mal. Voilà.